Si tu lis le Coran en arabe, tu as certainement dû déjà croiser ce symbole. Il indique un moment de prosternation dans sa lecture. Mais que dire une fois que nous sommes prosternés? Je vais te montrer une invocation et ensemble nous allons l'analyser pour que tu puisses comprendre ce que tu invoques et améliorer ton vocabulaire en arabe par la même occasion. Sajada wajhi lilladhi khalaqah wa shaqqa sam'ahu wa basarah bihawlihi wa quwwatihi. Voyons à présent à quoi correspond chaque segment. Le premier mot est le verbe sajada. Il ne possède ni suffixe ni préfixe. Cela signifie deux choses. Il est conjugué à la troisième personne du singulier masculin et au passé. Et comme il s'agit du verbe se prosterner, sajada signifie il s'est prosterné. Le mot wajhi est composé de deux éléments. Le nom wajh et le possessif « i ». « Wajh » signifie « visage ». Et le possessif « i » est celui de la première personne du singulier. Donc « wajhi », mon visage. « Lilladhi » est composé de « li » et « alladhi ». « Li » signifie « à » ou « pour ».« Alladhi », celui qui. Donc « lilladhi », pour celui qui. En présence du « li », le « alif » de « alladhi » tombe. « Khalaqahu » est composé de « khalaqa » et de « hu ». Khalaqa est à nouveau un verbe sans préfixe ni suffixe, c'est-à-dire rien avant ni après. Il est donc conjugué à la troisième personne du singulier masculin au passé. Et comme c'est le verbe créer, alors il a créé. Hu est le complément. Khalaqa hu, il l'a créé. La conjonction wa veut tout simplement dire et, et. Voici un troisième verbe, shaqqa. Ce verbe exprime une image. Si on se réfère au dictionnaire, c'est celle de fissurer, de frayer, de trancher. Pour traduire en français, on utilisera un verbe simple au vu de ce qui se trouve juste après. Par exemple, il a procuré. Il a donné quoi? Sam'ahu, qui est composé du mot sam'a et du possessif hu. Sam'a signifie l'ouïe, le fait d'entendre. Hu indique la possession de la troisième personne du singulier masculin, donc son ouïe. Même chose pour basarahu, composé de basar et de hu. Basar, c'est cette fois-ci la vue et donc sa vue. Si jusqu'à présent l'analyse t'intéresse et te permet de progresser en arabe littéraire, tu peux accéder à ma formation « L'arabe pour comprendre le Coran » en cliquant sur le lien dans ma bio. Il s'agit d'une série de vidéos dans laquelle j'analyse des versets du Coran pour pouvoir te familiariser avec le vocabulaire du Coran, mais aussi des extraits de tafsir pour t'entraîner à la compréhension orale et toujours accroître ton vocabulaire dans le domaine de l'islam. Il s'agit d'une série de vidéos que tu peux visionner quand tu veux et où tu veux. Pour 39,99€ seulement, tu pourras accéder aux vidéos à vie et permettre également à tes enfants d'y participer quand ils seront plus grands, Inch'Allah. À présent, reprenons notre analyse. « Bihawlihi » est composé cette fois-ci de trois éléments. La préposition « bi », le nom « hawl » et à nouveau le possessif « hu » qui s'est transformé en « hi ». Nous allons voir pourquoi. « Bi » est généralement traduit par « avec ». Cette préposition indique le moyen. Parfois, on peut donc la traduire par la préposition « par ». « Hawl » peut être traduit par le mot « force ». Et « he » est la possession de la troisième personne du singulier masculin. Tout à l'heure, nous avions « hu ». Ici, comme il est précédé d'un « i », « hawli », alors le « hu » devient tout simplement un « i ».« Bihawlihi » et non pas « bihawlihu ». Et tout cela donne donc « par sa force ».« Ruwatihi » est composé de « ruwa » qui signifie « puissance » et « hu » à nouveau sous la forme de « hi ». Donc « ruwatihi » sa puissance, sous-entendu « par sa puissance, puisque la préposition « bi » fonctionne également avec « ruwatihi ». « Fa tabaraka » est composé de la préposition « fa » puis de « tabaraka ».« Fa » permet de lier deux phrases, généralement avec une relation de cause à effet. C'est pour cela qu'on la traduit souvent par « donc ».« Tabaraka » signifie « gloire à », ce qui donne « gloire donc à Allah ». Ahsanu est un adjectif qualificatif. Il est sous sa forme superlative. C'est le superlatif de Hassan, bien, beau, etc. Donc Ahsanu, le meilleur. Al-Khaliqin, c'est en fait elle plus Khaliqin. Elle, c'est l'article défini qui sert pour le, la ou bien les. Khaliq, au singulier, veut dire créateur. Il suffit d'ajouter in ou bien un dans certains cas pour en faire son pluriel. À présent, voyons ce que donne l'invocation dans son intégralité. Mon visage s'est prosterné devant celui qui l'a créé, lui a procuré son ouïe et sa vue. Par sa force et sa puissance, gloire donc à Allah, le meilleur des créateurs. Si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker et à la partager avec d'autres personnes. Dis-moi en commentaire si tu connaissais cette invocation ou si cette vidéo t'a facilité son apprentissage.
Et si tu es intéressé par la formation qui t'aide à aller plus loin en arabe littéraire, clique sur le lien dans la bio ou contacte-moi en privé.